mes chers amis, roi des rois et seigneur des seigneurs, à lui seul ce titre est tout un enseignement. Il indique la suprématie de la royauté du Christ sur toutes les royautés. Il place le Christ au-dessus de toutes les autres puissances, ces puissances dominatrices, dans tous les domaines et même sur les cœurs. Mes chers amis, la Sainte Église nous invite à établir le règne de Dieu d'abord au-dedans de nous, dans notre esprit, par la foi en sa doctrine, car il est la vérité. À établir le règne de Dieu dans notre volonté par l'obéissance à ses commandements, car Jésus-Christ est la voie. À établir le règne de Dieu dans notre âme par les pratiques religieuses, car Jésus est la vie. Foi, œuvre, pratique, voilà le programme complet pour l'établissement du règne spirituel du Christ dans notre vie individuelle et par là, dans la vie des nations. Mes amis, souvenons-nous de la passion du Seigneur et de son affirmation quand, devant Pilate, il fait cette déclaration publique de sa royauté. « Oui, tu l'as dit, je suis roi !» Souvenez-vous aussi du Golgotha. Au sommet de la croix, un écriteau indique en hébreu, en grec et en latin l'inscription officielle « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Ce sera là la proclamation à tout l'univers, en toutes les langues, de sa souveraineté. Ainsi bien notre Seigneur l'avait dit, « Quand je serai élevé de terre, c'est-à-dire quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai tout à moi. C'est par le crucifix que les âmes sont gagnées, la croix est partout, l'étendard de sa royauté. » Mais nous savons, parce que l'Écriture sainte nous le dit, que la triomphante apparition du Christ roi viendra au dernier jour. Alors ce jour-là, tous les hommes verront son triomphe. Nul ne contestera plus sa royauté majestueuse, dont l'éclat obscurcit le soleil. Il n'y aura plus de larmes dans ses yeux divins. Nul ne pourra plus contredire ses affirmations royales sans qu'il soit confondu pour jamais. Et l'on verra le cortège des élus et des anges dans sa lumière éternelle s'envoler en chantant l'éternel hosanna d'amour. Alors, mes chers amis, prions Marie, Reine Immaculée de l'univers, elle qui partage sa gloire, la gloire du roi des rois, afin que nous ayons tous le bonheur d'acclamer un jour tous ensemble dans le ciel le Christ roi des rois et seigneur des seigneurs. Tournons donc notre regard vers le ciel et disons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.